Voilà, bien-aimé, cher homme de Dieu, le révérend prophète Arsène Kamto. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, cher frère bien-aimé, homme de Dieu, général du Dieu vivant. Joyeux anniversaire. Alors, j'ai voulu te faire la surprise très tôt ce matin chez toi pour te souhaiter la joyeux anniversaire et le joyeux anniversaire et être le premier parmi tes frères à être chez toi. Malheureusement, le plan a échoué, tu n'es pas là. On m'a dit que tu es sorti marcher dans le quartier. Donc on est ici dans le quartier, on est en train de fouiller. Ça vous met 30 minutes, on te cherche partout. Donc nous allons continuer, vous allez m'aider à le retrouver. On m'a dit qu'il est sorti depuis le matin pour faire le sport, la marche. Donc, bien-aimé, en ce jour que Dieu te donne, ce jour nouveau, je te souhaite les vœux de bonheur, de stabilité, de prospérité, de succès, de santé, de longévité, de victoire dans les batailles de l'Éternel, comme le dit l'adage en hébreu, Naphtali Elohim, Niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. Je déclare que la faveur de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Tu es quelqu'un d'exceptionnel pour moi, quelqu'un de bien, un homme de bien, un homme intègre, un homme juste, un homme sincère, un homme vrai. Tu fais partie de ces rares amis que j'ai connus, en qui j'ai aveuglément confiance. J'aurais souhaité te le dire. Face à face, te surprendre, au réveil là, avant même que tu ne brosses les dents pour te chanter joyeux anniversaire, mais le plan est tombé dans l'eau. Tu sais, d'habitude, quand je rentre de l'eau comme ça, c'est pas mon frère qui m'apporte souvent le champagne non alcoolisé à la maison. Chaque fois, il n'y a pas eu le champagne. Donc, parce que l'anniversaire est là. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Le micro passe bien là-bas. Et c'est là où il y a le micro, ça fait le bleu quand je parle. Ça fait du bleu là sur le micro. Ça fait le bleu. Hein? Ça fait le bleu, D'accord, un instant. Un instant, on va vérifier tout simplement. Est-ce que ça fait le bleu? Oui, c'est ça là, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, nous allons continuer, on va continuer à cette... On va comment? On passe. Hein? On passe du côté. Bien, c'est ça qu'on a oublié. C'est compliqué. Il descend. Hein? Dimanche, on est descendu. Comme ça, il descend. Il n'y a pas combien de temps. C'est clair qu'à 5 minutes, il dit souvent. Il marche beaucoup. Tu l'as vu? Non. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear brother and general. Happy birthday to you. Ça fait J'espère que tu vas venir, mon frère. En fait, tu sens bon. Ah, toi aussi. J'ai dit que je viens au réveil. Donc là, avant que tu brumes les dents là, par la fenêtre, tu vas avoir une grosse tête qui me dit Happy birthday to you. Quel surprise. 30 minutes, tes chiens partout dans le quartier. Ton frère, je me suis dit là, tu connais. C'est dangereux. Tu sais, je regarde un peu là. Je voulais marcher un peu quoi. Je voulais. Ton frère. Vraiment, l'homme intègre. Notre étau. Étau national, celui qui porte le drapeau du Cameroun. Je suis content de te voir. Mon frère. J'ai dit que je voulais être le premier parmi tes frères à être à la maison. Oh. J'ai souhaité un joyeux anniversaire. J'ai pas dormi. J'ai calculé seulement que le matin arrive à dire. Pourquoi tu as passé mon anniversaire? Tu as pas oublié. Mon frère, bien venu. Merci, on va te voir. Comment tu marches en téléphone, mon frère? Je voulais m'évader un peu. Et seul comme ça là. Un homme de ton calibre, un homme de ta prestance, non? Je vais me bader un peu. Même les frères en Europe là sont passés. Là, c'est passé que non. Maintenant, si quelque chose, quelqu'un t'a donné, on va faire tout le monde entre eux. Tu vas avoir même au moins un bodyguard. Il faut que je suis comme c'était le grand matin là, je suis sorti là, je voulais seulement m'évader. C'est beau, hein, mon frère. C'est toi qui est beau. L'homme, donne le moment comme toi. Le parfum de mec.
Maman prêche, là, maman prêche. Sinon, on arrive à un peu. C'est comme un peu. C'est comme un peu. Si tu es fatigué, tu passes à continuer. Peut-être qu'on écoute ce que tu dis. Non, on peut pas écouter le micro. Tu vas commencer à se donner. Tu vas faire ça la dernière fenêtre. Non, mais on a un peu de temps. 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 On a un peu Non. Est-ce que c'est Sokoya ou Sokoya? C'est la plante la plus chère. Je le quitte. Et tu? Il est un peu joué. Fumé quoi. Tu vois le nombre combien de personnes vont être à 124 personnes. 124 personnes. Oui, 124. Le micro est bon. Je touche plus ça. Quoi? Y a un problème. Non, ça a bougé. C'est bon. J'étais dans le cadre de l'Afrique, c'est bon. Pendant beaucoup d'années, Dieu fait la saison de l'Afrique. La saison où Dieu va susciter les fils. En fait, la distance est plus. La saison où Dieu va susciter les fils.
Mais si tu as 100 mètres, comme Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On doit avoir plus de vie. On voit ici la comme tu dis le constat, je suis en l'église de l'amour. L'église est trop affaiblie, je pense. Par rapport aux États-Unis, il y a une grande affaire. Parce que c'est un très grand genre de Dieu qui font descendre les plans de feu sur les murs de feu sur les murs américains. Mais l'Europe, il a dit qu'ils prennent beaucoup d'images. Sans
vraiment la honte. Je te supplie en te marchant et je vais me rendre compte. J'ai vu mes vertigines. La vitesse vertigine à laquelle les gens sont sous le Cameroun. C'est comme si on réveille. C'est dans le bâtiment. Il est réveillé dans le bâtiment. Mais avant, ce n'est pas ça. Hein? Mais avant, ce n'est pas comme ça. Oui, oui. Après, c'est le développement. Et oui, tu vois, parfois, des grands quartiers, nous, tu te demandes si les riches sont en train. Voilà. Je me demande, je cherche à savoir, il n'y a pas de plus, c'est un autre quartier, mais ce quartier-là, quand on passe en gros, il ne sait pas qu'il y a des quartiers comme ça. Donc, c'est extraordinaire. Il y a la balle, la plaine de tout. Il se prête, demandez-le. Il se prête, demandez-le. Caméra. Filme un peu la forêt là. Tu filmes la bourse. Non, ne va pas, viens. Viens ici, ça va. Filme un peu. Tu filmes partout là-bas, là, on va voir. Très beau. Oh là là. Beautiful. T'as vu que luxuriante, verdoyante. Donc là, on a de l'oxygène à cause de la plante, la photosynthèse. Il y a beaucoup de plantes, ça fait que la photosynthèse, elle est réelle. Il y a beaucoup d'oxygène. Ceux qui vivent, ils vont des centenaires. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas en Europe, quoi, tu vois. Ici, la nature, l'air est bien pur et tout ça. Donc, voilà. C'est vraiment, quel anniversaire, qu'est-ce que tu dis à tous nos téléspectateurs qui te suivent Wow. À ce jour d'anniversaire. C'est toi qui m'interview. Avec un micro. Donc, c'était la surprise de la surprise. Je suis effaré, je suis dépassé. Embarrassé par le geste que mon frère a fait ce matin en étant le premier à sortir de sa maison et à soutenir l'anniversaire. J'aurais pensé à tout sauf à ça. Donc je suis sorti le matin, je voulais vraiment me libérer un peu, je voulais marcher, je voulais respirer de l'air pur, je voulais aller dans le quartier, voir ce qui se passe. On n'a pas toujours le temps. Et j'étais surpris que mon frère soutenu à ce qu'il va me faire ce matin. Merci à mon frère. Merci mon frère chéri. Merci à moi. Donc, ça veut dire que même en Europe, loin de moi, mais près de moi, de toute façon. Donc, merci beaucoup. Merci encore pour toutes les personnes en Europe qui ont fait de son séjour récemment un moment agréable. On a pu voir des images qui étaient extraordinaires. J'ai vu son nom de français qui était merveilleux. On était tous contents de savoir que des gens sur d'autres sur dans le continent européen pouvaient respecter autant celui que j'appelle la langue de l'économie pour cette occasion. Merci à vous de permettre qu'ils puissent exprimer la grâce que Dieu a déposée en lui, cette très très grande grâce. Merci de lui permettre d'allumer un nouveau feu du réveil. Au continent européen. N'oublie pas, c'est ton adversaire, mais là, c'est toi qui parles de moi. C'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est extraordinaire. Et je voulais, comme ça, dire merci à toutes les personnes qui me souhaiteront, qui m'ont déjà souhaité d'aller à l'anniversaire, peut-être par cette vidéo, de l'année dernière. Et merci, je suis très touché par votre geste d'amour, votre clin d'œil aujourd'hui. Donc, Dieu vous bénisse tous. Dans la prière, c'était très bientôt. On forme un trio pour. Rendre ministère à toute l'Europe, on a dit par une nuit de flammes, pendant lesquelles le trio que nous formons aujourd'hui, pour la gloire de Dieu uniquement, s'exprime et puisse partager les quelques blesses que Dieu a déployées dans nos vies avec vous là-bas en France et dans quelques dimensions que ce soit. Donc, que Dieu vous bénisse, on va bien très bientôt. Priez pour nous pour que toutes ces choses, pour que tous ces plans se réalisent, non pas seulement pour nous, mais pour le Cameroun, parce qu'il y a quelque chose qu'on a reçu pendant que j'étais en Israël, pour partager avec toi, très très fort pour la nation camerounaise. Merci encore à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, merci. C'était l'anniversaire du révérend prophète Arsène Kamto. La lampe de Dieu. La bibliothèque de l'Église. Une génération. Le vieillard. Le vieillard à la barbe noire. Alléluia. Donc, un homme qui est un centre d'intérêt de connaissance de l'Église.
de l'histoire de l'Église contemporaine et passée telle qu'on n'en a jamais vu. C'est un érudit dans tous les cas, c'est un zin. C'est un zin dans la figura de la connaissance de la théologie chrétienne et de la doctrine principale chrétienne et fondamentale aussi. Donc, c'est le directeur d'une grande institution biblique, directeur. Le Bible Institut Réveil biblique. Mm-hmm. Donc, et la rentrée, c'est bientôt. La rentrée, c'est en septembre. Là, il faut déjà dire que la graduation de la 4e ou 5e promotion, c'est dans quelques jours, c'est en juin. Mm-hmm. Donc, on vous invite d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, il faut dire que comment on appelle ça, notre motto, mm-hmm. l'anglais, c'est un mot venu en anglais, bien facilement en anglais. Mm-hmm. Et notre devise, c'est quoi? Former des leaders de feu pour la MCDI. Mm-hmm. Est-ce que le droit pour faire que l'on est en Europe, on doit aller avec la vision que nous avons, c'est-à-dire apporter le feu dans le monde. Mm-hmm. Donc, nous formons des leaders de feu pour la MCDI, il y a toutes les missions. Et donc, on vous invite à cette grande école, on va rentrer en septembre, ou en octobre, c'est en octobre. Mm-hmm. En octobre, c'est la rentrée, nous formons les secteurs devenus de toutes les obédiences chrétiennes. Quel que soit votre appartenance, votre bord. Éloigner quelque chose qui marche sur mon pied, là, de l'autre côté. C'est deux ans de formation et une troisième année pour obtenir un diplôme supérieur de théologie. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous nous joignons tous pour souhaiter un joyeux anniversaire au reverend prophète Kamto. On va chanter pour une dernière fois en français. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire.